Hey, bébé, comment tu vas, mon amour? Ben oui, tu me manques. Ah non, non, ça va bien mieux que ce que je m'attendais. Là. Si ça continue comme c'est parti, moi, demain, je retourne chez nous. Moi, je pogne le premier autobus pour Wanoranda, il part à 6, fait que je devrais être à la maison pour souper. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais que je te rapporte? Oh yeah. Ah, excuse-moi, faut que je te laisse. Madame Lemontagne, je vous demanderai de sortir de la voiture, s'il vous plaît. Hey, hein? Oh my God! Tabarnou, je m'étais pas changée! Mais toi, oui, mais t'es ton bébé! Ben là, quand les affaires marchent bien, t'sais, on peut investir sur nous autres. Ah, vous vous connaissez? Ben oui, j'étais même à ton mariage. Et oui, Annie est avec moi à Lietteville. Toi, on n'a plus jamais entendu ton nom dans le cours après ta disparition. Mais c'est normal, ils veulent pas que ça vous donne des idées d'évasion. Mais comment t'as fait ton compte? Marie, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour parler de ça, hein? Ben oui, ben non, mais vous tentez de prendre un café? Que... Pas vraiment. Ah non? C'est parce que je suis venue m'acheter un téléphone. T'es pas sérieuse? Non, mais hey, merde, on est en vente. Tu sais, je vais te faire un deal que tu pourras pas refuser. Qu'un gars, lui, là, il est craqué tout. Tu peux mettre n'importe quelle carte là-dedans. Ça en est 10$. Ça vous a 100 minimum en magasin. C'est trop cher. Garde-moi, ben, veux-tu, on va se parler un petit peu, mon piano. Hein? OK. Écoute, j'ai pas d'argent, c'est pas dans mon budget. Je viens de sortir de prison, j'ai pas une scène. Je peux pas te payer ça. Non, laisse-le payer, c'est ton mari. C'est plus mon mari, on n'est plus ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui, maman? C'est mon ami. Il me donne un coup de main. OK. Mais là, 50, là, mais c'est mon prix final parce que, tu sais, moi, je peux me faire 400 facile avec un madame même. Je veux pas te faire perdre d'argent. Mais j'ai été super contente de te revoir. Mes boules, asti, mes boules! T'as rien dit sur mes boules, hein? Ah non, mais ça a été rough en maudit d'éviter l'infection, mais avoue que c'est réussi, hein? Ils sont super beaux. Ben oui. Attention à toi. Toi aussi. Justement, moi, j'ai un super modèle, là, pratiquement pas utilisé, presque neuf. C'était quoi son délit? Fraude. Poste de garde maximum. Hey, allô? Je te dérange-tu? Non, ça va, je viens d'arriver. OK, mais je te dérangerai pas longtemps d'abord. Ça te tente-tu de venir dormir chez moi ce soir? Je pensais que tu voulais pas que je vienne. Que je travaille de soir. Tu me manques trop. OK. Je traînerai pas les pieds d'abord. OK. À tantôt. D'espionnage plate. Tu veux-tu dans la douche avec moi? Je vais te savonner ça, ce beau petit corps-là. Est-ce qu'on peut parler avant? Il me semble que c'est plus un temps pour faire l'amour, pas pour parler. Coudonc. Ta mère, est-tu venue te voir ou quoi? T'as le même air qu'elle? Je disais ça pour rien. C'était pas drôle. Je m'excuse. Ça, là, c'était la meilleure baisse de toute ma vie. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus.
Ouais. Dis-moi pas que tu t'en rappelles pas, là. Tu criais tellement fort, j'avais peur que Choquette descende en bas pour voir ce qu'on faisait. Alors, remarque, il est peut-être venu, pour on l'a pas vu, on était tellement partis. Tu l'as acheté où? On se souvient plus, moi. Fais un effort. Tu devrais te souvenir d'où t'achètes les cadeaux de tableau. C'est quoi, prochaine question? Combien ça m'a coûté? Ah, t'as rien coûté. On te l'a donné. Tu te souviens-tu ou tu veux que je te dise où? Je sais pas, là. C'est qui t'a mis ça en tête? J'ai fouillé la chambre de Galarno aujourd'hui. Même marque, même modèle, même tissu. Ça veut rien dire. Hein? C'est elle-même qui le dit. Non, tu vas pas croire cette petite folle-là. OK, OK, tu peux t'en aller. Hey, t'es vraiment un hostie d'épais! Tu me fais porter les bobettes d'une détenue! Tu me fais croire que c'est un cadeau! Hey, va-t'en pis ça presse! T'as un jeu qui s'est rien passé! Va-t'en! Sors maintenant! Regarde, calme-toi, là! Va-t'en ta vie pour un hostie de paire de bobettes! T'es un hostie de malade, tu t'en vas maintenant! Fuck, ça va? Non, ça va pas. Ouais, c'est beau, je m'habille! Hey, tu t'habilleras dans ton char, tu sors tout de suite! Ah ouais! Savoir mieux que moi. Ben, c'est pas facile à dire, là. Ben, dis-le quand même. Peut-être qu'il t'aimait pas assez pour renoncer aux autres. Pourquoi il me l'a juste pas dit? Il espérait peut-être qu'un jour, t'allais être la seule à qui il pense. Le cerveau d'un gars, ça marche pas comme le cerveau d'une fille. Il fait que vous êtes capable de penser à un seul gars sans faire d'effort. Les gars, on est capable de penser à plusieurs filles sans faire d'effort. Jusqu'au jour où une fille qui s'impose plus que les autres. Puis tu te rends compte que c'est avec elle que tu te sens le plus heureux. Je l'aimais. Je suis désolé pour ce qui t'arrive. Marco. T'es pas avec José? On va encore les malades pour l'avant-midi, on va rentrer plus tard. Est-ce qu'on peut se parler de ce qui s'est passé hier soir? J'en aimais pas, non? José, c'est une collègue, mais c'est une amie aussi. Hey! Je l'ai pas trompé. Ça, c'est à elle, faut que tu le dises. Tu connais les filles, des fois. Elles se racontent des histoires sans importance. Si t'es venu ici pour que je te dise que tu mérites pas comment ce qu'elle t'a traité hier soir, là. Tu gardais ça pour toi? Bon, ben, là. Réglez ça de vous autres. Le service a rien à voir là-dedans.
Debout. C'est un retard. J'ai dit debout. Vous retournez en unité. J'aimerais ça te voir quand tu dis quelque chose de gentil. Il y a des muscles de ta face qui doivent se demander ce qui se passe. Bonjour, vous avez bien rejoint José Tessier. Je suis pas libre pour le moment. Laissez-moi un message. Salut, Jo. C'est moi. Regarde, faut qu'on se parle, là. Je te jure que j'ai une explication. Fais-moi confiance, tu le regarderas pas, OK? Je t'aime.